Hello! J'espère que tu vas bien. Petite vidéo, je me suis dit que ça serait cool de t'en faire une, comme j'essaye d'innover, de faire des vidéos que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Ma peau est dégueulasse aujourd'hui. Mais vraiment, bon là tu le verras pas parce que je sais pas, j'ai le téléphone qui te met des filtres là, c'est impressionnant. Déjà je suis naze, parce que je passe mes nuits à me battre avec mes oreillers plutôt que de dormir. Et je me suis. Ça fait 2-3 jours que je mets des. Hier j'ai fait un masque, tu sais, l'espèce de masque de chez Action là. Et du coup, là, j'ai des plaques un peu partout. Je viens de faire une vidéo, du coup, j'ai mis un coup de rouge à lèvres. Et du coup, ouais, j'ai la peau qui tire là. Là, j'ai des espèces, je sais pas si tu le vois, ça pèle même ici. Tu vois, pourtant, ce matin, j'ai juste mis un peu de CC crème. C'est pas une pellicule, hein. C'est un bout de peau. J'ai mis une CC crème de je ne sais plus quelle marque. Enfin, bref. Pas dégueu du tout, bio. Je me suis dit que ça serait bien que je te fasse une petite vidéo, courte vidéo routine de ce que moi je fais quand j'ai la peau comme ça. Moi j'ai la peau hyper sensible. Du coup, avec les marques du temps, puisque comme tu le sais, je vais avoir 47 ans donc je marque un petit peu. Bon, le yoga du visage a énormément amélioré l'aspect de ma peau, vraiment. Par contre, quand t'as la peau comme ça, fais pas de yoga du visage. J'en ferai pas. Je devais en faire ce soir. Soit moi je le fais à peu près tous les 2 jours, mais là je fais pas. Là j'ai des rougeurs ici. Voilà, c'est chiant. Je vais essayer de me mettre dans un autre angle pour que tu vois. Cela, je suis devant mon miroir. Oui, alors tu vas me dire, oui, Amy, ta peau est superbe. Non, c'est pas le cas, hein, du tout. Alors, je sais pas si tu vois, là, j'ai des plaques. Bon, j'arrive pas. Il y a plein de luminosité dans mon appartement. La fille qui en a ras-le-bol parce que son appartement est super lumineux. Enfin, bref. Donc, je me suis dit que je te ferais une petite routine. Bon, anti-imperfection, routine peau sensible pour que tu puisses voir ce que j'utilise quand ma peau est dégueulasse comme ça. Alors tu vas voir quand elle est pas bien comme ça, ce qui n'arrive pas très souvent. J'utilise très peu de trucs parce que en fait, plus de choses tu vas mettre sur ton visage et pire ça va être en fait. Donc j'utilise vraiment très peu de produits, vraiment, et je la laisse respirer au maximum. Donc voilà, on se retrouve ce soir et bah, je te montre ce que je vais faire. On passe au démaquillage. Ma peau a survécu, mais alors là je regarde parce que j'ai mon miroir qui est juste là. Mais bon, très clairement là j'ai des plaques de sécheresse. Toi tu les verras pas, mais j'ai des imperfections un petit peu partout. Donc on y va. Je vais d'abord me démaquiller les yeux. Pour les yeux, j'en suis toujours au coton parce que j'arrive pas. Pourtant j'ai ma petite boîte de coton réutilisable. La plupart c'est moi qui les ai fait moi-même. Je les ai cousus moi-même en découpant des trucs. Des tissus, des mousses, enfin, mais j'y arrive pas. Au niveau des yeux, j'y arrive pas, ça m'irrite les yeux. Donc, pour me démaquiller, j'utilise celle-ci, je l'avais achetée chez Stokomani, c'est l'eau micellaire The Bloom Body, 99% d'origine naturelle, à l'aloe vera et 40% bio, elle démaquille pas comme il faut, très clairement. Là, je suis passée chez Yves Rocher, il faut que je te fasse un petit haul. Je suis passée chez Yves Rocher, racheter le démaquillant pour les yeux, le classique, là. Celui au bleuet que je prends depuis des années. Quand j'y suis allée, c'était un acheté, un gratuit. Donc voilà, sourcils, bien les yeux. Voilà, j'ai fait les yeux, c'est pas parfait, mais c'est pas très grave. Je vais utiliser l'huile. Je t'en avais parlé dans un de mes hauls et tu l'as vu cet après-midi. C'est l'huile lactée de Wham Cosmetics, base neutre multi-usage. Je la trouve très sympa, franchement, elle est très très bien. Donc tu vois, elle est, hop, si je me mets comme ça, elle est vraiment liquide. J'en mets vraiment pas beaucoup. Je vais la chauffer dans mes mains. Hop, tu vois, là ça va m'enlever. J'ai bien frotté au niveau des yeux pour enlever le reste de make-up. Je vais me nettoyer le visage avec celui-ci que je t'ai montré de chez Apicia. J'en utilise plein, j'en ai plein en ce moment, mais bon, je les utilise pas toujours la même chose. La gelée nettoyante douceur visage au miel et à l'aloe vera. Et quand j'ai la peau irritée, comme elle est très très riche, très très riche et très. Je sais pas comment t'expliquer, grâce en fait, ça me fait beaucoup de bien ma peau. Voilà, là mon visage est rincé.
Je t'ai pas montré, mais généralement, ce que je fais quand mon visage est rincé, c'est-à-dire que je vais brumiser un coup de celle-ci, celle Ovital de Melvita, l'Ovital de l'eau florale de rose ancienne. Et chez Yves Rocher, tu verras lors du haul, j'en ai profité pour reprendre de l'eau florale de bleuet. Et celle-ci, elle est sympa. Donc voilà, je fais ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le masque. Alors, il y en a certains qui vont le laisser poser toute la nuit. Il y en a, ils le laissent poser toute la journée. Moi, non, je vais me contenter de le laisser poser. Ouais, je sais pas, là je vais prendre ma douche en fait, ils disent que 5 minutes c'est suffisant, donc je vais le laisser poser pendant que je prends ma douche. Et puis après, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais le rincer. Là je vais en appliquer une couche épaisse sur ma peau. Alors il n'est pas donné ce petit masque, mais franchement Aven, c'est ma marque, c'est mon baume SOS. C'est ma marque SOS quand j'ai des problèmes de peau. J'utilise cette marque depuis des années. Alors il y en a ils aiment bien, il y en a ils aiment pas, il y en a ils préfèrent d'autres marques. Moi je sais que celle-ci, j'en ai essayé plein d'autres pour peau, tu vois, un petit peu irritée, sensible. C'est celle que je préfère le plus en fait. Donc un masque comme ça, c'est 10 euros, mais ça les vaut. Et moi ça me dure longtemps parce qu'en fait j'en fais pas tant que ça. J'en fais vraiment quand... Là je pense que ces derniers temps j'ai abusé de tests. J'ai abusé un peu, tu sais, de ce genre de trucs en fait. Tu sais, les petits masques comme ça que tu trouves chez Action. Celui que j'ai fait hier, très clairement, m'a pas piqué rien du tout, mais je te dis, tu travailles le lendemain avec des petits boutons, c'est que ça vient de ça en fait. Voilà, ma douche est prise, je suis toute propre, toute changée, je vais me débarrasser de ce masque. En fait, je vais juste, je pense, me contenter de le rincer, ou je prends un petit coton comme ça, et puis je vais l'enlever directement, je vais le rincer très légèrement en fait. Tu vois, je passe de l'eau, je vais le rincer comme ça. Tout de suite, tu sens que ça t'apaise la peau, en fait, tu vois, il est bien gras, donc... Hop. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre un petit coude, très important. Après, il y a des eaux florales spécifiques aux peaux sensibles. Moi, j'aime beaucoup l'eau de rose, j'aime beaucoup l'eau de bleuet, je l'ai déjà dit, l'eau de menthe, qui est aussi sympa, l'eau de camomille, elle a une odeur un peu spéciale, mais pour les peaux sensibles et réactives, et franchement, il n'y a rien de mieux. L'eau de lavande aussi, qui est très très bien. Donc, voilà, c'est soit je mets l'acide alfate, une petite couche, soit j'ai celle-ci, je l'ai retrouvée dans mes affaires, en fait, j'ai dû avoir ça dans une box. C'est la Dexiane de la marque Ducray, qui est une crème réparatrice apaisante, visage, corps et main, traitement des eczémas atopiques de contact ou des eczémas chroniques. Voilà, moi j'ai beaucoup d'eczémas de contact. Juste avant, je te parle de celle-ci, ça c'est mon médecin qui me l'a prescrit, ça fait des années que je la prends, c'est l'épitopique. Il y a un tout petit peu de cortisone dedans, mais c'est vraiment très léger. Et en fait, quand j'ai des plaques, je l'utilise. Un tube, moi, ça va me faire. Tu vois, là, j'ai des plaques. Tu verras pas dans le retour. Si, mais tu vois, là, j'en ai là. J'en ai une grosse juste ici. Mais j'en mets vraiment un tout petit peu, moi, un tube comme ça. Ça me fait 2 ans, quoi. Je me demande même s'il n'est pas périmé, le truc. 23. Non, il n'est pas périmé. Mais j'en mets vraiment un tout petit peu, vraiment pour dire, je vais appliquer la cicatrice, très clairement. Je te dis, quand j'ai la peau dans cet état, j'applique pas grand chose. Hein. La cicatrice, ce qu'il y a, c'est qu'elle est blanche. Donc en fait, voilà, hop. Tu vas masser. Voilà, j'en ai une fine couche. Ici, vraiment, je vois que avant d'aller me coucher, ma peau, bon, là, c'est normal, hein, c'est parce que j'ai mis le truc de cortisone en dessous. Si je vois que ma peau est, tu vois, est sèche et tout, bah je mettrai peut-être la Ducray. Mais ce soir, non, ni sérum, ni quoi que ce soit. Et je me suis même rendu compte que le sérum que j'utilisais, celui-ci, le Lancôme de chez Génifique, je me suis rendu compte qu'il était peut-être un peu trop agressif pour ma peau sensible. Dès que je le mets, en fait, ça me picote au niveau du visage. Donc, je me demande si c'est pas ça aussi. Bon, là, tu brilles de mille feux, forcément, en plus avec les éclairages, tout ça. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Hop, voilà. Et en soi, je ne ferai rien d'autre. Ce sera très très bien pour ce soir. Je mets ni contour des yeux, ni quoi que ce soit. Donc, voilà, ma vidéo va s'arrêter ici. C'était ce que je voulais te montrer, c'était mes petits soins spécifiques quand j'ai des espèces d'attaques, de crises, de boutons. C'est même pas des boutons. J'ai pas de boutons, c'est vraiment des plaques. Des boutons, ouais, j'en ai de temps en temps, mais limite, ah, le meilleur remède aux boutons,
C'est le tea tree. Le meilleur remède. Je prends un petit coton-tige, j'en mets un petit peu et voilà, je les laisse vivre. Mais voilà. C'est tout ce que je ferai à ma peau ce soir et je verrai demain matin. Mais normalement, demain, ma peau sera déjà beaucoup plus jolie. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésite pas toi à me dire en commentaire les produits que tu utilises lorsque ta peau fait des crises d'adolescence, très clairement. Et puis, à t'abonner, à commenter, à me mettre un petit like, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et puis voilà, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Si t'es fan de ce genre de vidéo, je pourrais tout à fait t'en refaire. N'hésite pas toi à me le dire dans les commentaires. À ciao, bye. Je vous souhaite une très bonne nuit.